aujourd'hui, les collectivités territoriales ont la chance de pouvoir avoir ce choix-là. À la fois pour le cloud, hein, aujourd'hui, ils peuvent effectivement avoir un cloud souverain sur lequel ils vont pouvoir opérer leur IT, et de l'autre aussi, les outils, en particulier pour les utilisateurs finaux. Je pense évidemment aux outils de collaboration hein, qu'on utilise tous les jours pour travailler ensemble, communication, intranet, toutes ces questions de gestion de projet. Et ça aussi, c'est devenu possible 100% souvent. Il y a une filière très riche là-dessus. Alors aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est effectivement déjà connaître les offres. En fait, c'est déjà le point numéro un. C'est d'aller justement tester ces systèmes. La deuxième, c'est la question de la force publique. Va-t-elle inciter à un moment donné par justement des avantages et pourquoi pas des avantages à l'achat? Et puis, la dernière chose, c'est la législation. Enfin, déjà avec Sacnum Cloud, par exemple, on a effectivement un pas qui va vers ça et qui oriente effectivement la commande publique. Mais les trois, je pense que si on joue que sur un seul tableau, ça ne suffit pas. Il faut sensibiliser, ça c'est point numéro un. Toujours rappeler que quand on achète, et que ce n'est pas souverain, que ce n'est pas européen, c'est en conscience qu'on donne de l'argent alors qu'on a les deniers publics ailleurs. Et ça, il faut avoir conscience de ça. On ne peut plus se dédouaner de ça. Deux, que l'État montre effectivement avec l'achat public, donne des incitations. Et puis trois, une législation qui rappelle quand même qu'il y a des lois extraterritoriales, par exemple américaines, qui posent problème pour les données du RGPD, alors que les systèmes souverains, comme ce qu'on défend, sont tout à fait propres là-dessus et ont une logique de sécurité, de cybersécurité, tout à fait assumée et positive.